Là, je suis en train d'essayer de passer côté nord du marché. Est-ce que tu bloques la case? Attends, je suis pas rentré encore. Je vois rien avec ce fumier là. Moi ouais, j'avais pareil. À la moitié brûlée, à mon avis. Loki, j'ai un mec de, sur l'antenne Market là, si tu veux découvrir. On va essayer de se mettre sur le flanc nord de Market. Ah, j'en ai eu deux côté nord. Merde, je suis pris à partie là. Yo les marsouins, il paraît que vous allez m'accompagner sur le terrain aujourd'hui, donc je vais vous expliquer en quoi consiste la mission. Donc d'après nos informations, il y a l'armée américaine qui a pris possession du marché dans la vallée de Cora. C'est une position stratégique car elle se trouve au centre de la vallée, et c'est une position que l'on doit reprendre, donc on va essayer de mener à bien notre mission. Je me trouve dans un BTR avec mes camarades russes, j'espère que ça bouge pas trop et que vous m'entendez bien, et j'espère aussi que tout va bien se passer. Le district de Cora est un district de la province d'Oruzgan en Afghanistan, situé à quelques kilomètres de Kaboul. Le centre du district est la ville de Cora, qui compte environ 3000 habitants. Le marché vers lequel se dirige le soldat Tipex et tous ses camarades est une position stratégique, car elle se situe au centre de la vallée juste au sud de la rivière. Actuellement occupé par l'armée américaine, le soldat Tipex et l'armée russe vont tenter de reprendre cette position. Bon, on ne peut pas tarder à arriver. Il y a un de ces silences dans le véhicule. Tout le monde est concentré. À moitié de la case, vous descendez sur Market et le reste on passe sur Chap. Ok, bien reçu. C'est les gâtons. Sur Chap, récupère un logis. Hop. C'est pas grave, tu roules avec. On voit l'œil. Hein. Allez, 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 on y va, on y va, on y va, on y va. Frag. Ah, j'allais faire le plein, il y a plus de munitions. On va essayer de rentrer côté nord. Désolé. Je peux passer par les murs. Non, attends, attends, attends. Côté impact. Se reprend Market. Vas-y, rentre, rentre. Il y a encore des hommes ennemis hein, dans en Market. Tu fais abattre, ils sont sur moi, ils passent le long de rivière, Puron. Deux Pax, voilà, au moins. Ok, traité, je charge. J'ai pété le logis. Comme ça, j'irai récupérer la main. Ok. Ils sont déjà en train de prendre leur charge. C'est lui. Non, mais regardez. Plein nord-est, les gars. Nord-est. Gaffe, sud, plein sud de Market là. Les prochains climbers, ils respawnent sur le... Là j'ai entendu une roquette là. Gaffe plein sud. Plus le BTR fasse gaffe là. Merde. Putain. Ils ont pété le BTR. Ouais, ils sont dans le champ 155. J'arrive sur toi. Attention, ils essaient de rentrer côté nord du marché là. Sur la vente. Ok, bien sûr, on va essayer de sortir du marché. Ouais. Y'a du monde en F, je suis mort. C'est fou, y'a un mec dans le camp. Y'a l'odeur du rallye qui est. Hey, j'ai quand même descendu une squad. Hein. Au sniper, c'est pas mal. Hein. On verra bien à la fin de la game. Ouais. Il y a encore du contact côté nord du marché. On redescendait. Putain. Putain.
Si, mais on a besoin de rallye. Bah, ton guichet, tu es 239. Juste au sud-est de Marquette. La radio tower. Carito, faut que tu viennes soigner les autres, du coup. Je reviens si tu peux. Bah, ouais, t'inquiète. Faudrait que tu fasses péter un logis. De toute façon, on a pas de monde qui s'en récupère. C'est côté sud-est, hein. Dans le bas de la rallye, okay, Bonders. On a beaucoup de monde qu'on Marquette côté sud-est, dans les... là où il y a la squad 3. C'est le leader 3. On a du contact sur les toits du bâtiment au sud du marché. À mes pieds, il doit y avoir du monde. C'est quoi, à tes pieds, t'es où? Je suis à terre. Appelle ça des armes. T'étais de quel côté? Côté est, Tipex. Pour toi, c'est à ton ouest. Ton ouest, à toi. Ok. Les gars, c'est des orfèvres. C'est chaud. Je sais pas si on va pouvoir s'en sortir là. On est encerclé. Sur le R, il y a une repérée au sol. Il y a du snipe, a priori, en 94S. La mission de reprendre le marché s'est soldée par un échec, malgré une attaque et une défense impressionnante de l'armée russe. Cette dernière est obligée de faire marche arrière et se diriger vers une position située un peu plus au nord-ouest du marché, Central Orchard. Bon, il faut que je rejoigne les potes là, ils sont partis sur Orchard. Ouf. J'ai eu de la chance là. C'est qui ça? Ouais, sérieux, 50 secondes. Oh, j'ai eu chaud là. Ça fait une minute que je suis mort quoi. Bah, on vient de vous éloigner donc c'est normal. On a du contact, nous reste. Ça touche, ça pète. Allez, c'est parti, on rejoint les copains. Attention, attention, mets-toi couvert, mets-toi couvert. Il se penche juste devant moi au niveau du petit. Ah putain. Au niveau de l'aide. Trop tard. Là en nord, 02, tu fais. Ok. Bon. À gauche. C'est bon, traité. Oh, le fils de pute. Give up, moi je vais te relever. Pas de give up, sinon on va perdre la partie, les gars. Mais je comprends pas quand ils perdent pas eux. On avait vachement plus de drapeaux qu'eux, non? T'en récupères, oui, t'en tu reprends des. Allez, allez, on saute de la PC, c'est par l'est. Mettez-vous en zone de 4, ne cherchez pas forcément le contact. Il faut qu'on prenne le point. Ah bah non. Eh les gars, y'en a pas un de vous qui peut relever le mec qui est tombé à côté là? Moi je vois même pas le point. Merci. T'es tu, Doc, t'es en plein milieu là? Moi je suis dans le sens. Y'a un ticket par minute, faut vraiment qu'on le.
pour grade des... On fait flipper. Ouais, du moins encore côté nord. Hein. Ah, merci Médic. Voilà. Merci. Bon, on va rester ici. Faut tenir la position. Y'a personne en défense là? Si, si, j'avais la 4, y'avait la 4 qui restait sur le dos. Ok. Attention, sud-est, là, ils essayent de battre le VAB qui est dans la rivière. Ouais, mais si personne regarde ailleurs, on va se faire avoir. Sud même. On a un tireur côté S là. Ouh ! Merde, ils ont sorti le mortier. Faites gaffe, on a du contact à l'est. Mais ils ont fait une faute prise, sur le prochain point rapidement. Ok, reçu. Ok. Ils ont fait une faute. On s'est fumé par là. Merde. Il y avait quelqu'un qui est en difficulté. Bah restez sur position, il reste 8 tickets, ça peut rien. Essayez de relever ceux qui... Ça joue à ceux qui give up. Ouais, il était pas tout seul. Ouais. Essayez de relever ceux qui sont au sol. Alors que ses camarades continuent à combattre pour défendre la position de Central Orchard, le soldat Tipex a été confié au médecin pour se faire soigner, et nul doute qu'il repartira au combat. Dans la peau d'un soldat russe, dans la peau d'un soldat américain, dans la peau d'un insurgé, seul l'avenir nous le dira. Voilà les Marsouins, cette vidéo s'arrête ici. A la base, elle devait faire partie de la série Dans la peau d'un soldat, mais personnellement, j'étais pas satisfait du résultat, donc je me suis dit, soit je la mets de côté et personne ne pourra la voir, à part quelques chanceux qui l'ont déjà vue avant aujourd'hui, soit je la retravaille un peu pour que vous puissiez vous aussi en profiter, et ça vous donne un avant-goût de ce que je vais faire avec la série Dans la peau d'un soldat. Dites-vous que c'est ça, mais en beaucoup mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur cette nouvelle façon de présenter Squad et d'autres jeux par la suite. Pour tout vous dire, j'avais l'impression que le contenu que je vous présentais dernièrement n'était pas assez de bonne qualité, en tout cas c'est mon avis, et il fallait que je trouve une nouvelle idée, une inspiration, une motivation qui me redonne envie de faire des vidéos et des vidéos de qualité. Donc voilà, j'ai pensé à cette nouvelle série Dans la peau d'un soldat. Je peux pas vous dire quand arrivera le premier épisode car le montage va me prendre un peu plus de temps que d'habitude, mais j'espère vraiment que ça vous plaira et que ça redonnera un gros coup de boost à ma chaîne YouTube. Donc les Marsouins, soyez patients, et je sais que vous l'êtes car la patience est une qualité indispensable à avoir quand vous jouez à des jeux comme Arma, Squad, Postscriptum et tous ces autres FPS tactiques réalistes. De mon côté, je vais travailler pour réaliser la meilleure série jamais faite sur ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si elle est jeune, portez-vous bien.